Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je voulais vous montrer le happy mail que j'ai envoyé à Marine. C'est pour l'échange de mon groupe Facebook, donc du coup pour le mois de mars. Et donc j'avais proposé de faire le tuto de Adeline, cas où si vous n'avez pas reconnu. Donc le tuto de mon plume, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que ça fait un moment qu'elle l'avait publié. Donc, c'est un petit book. Je ne sais plus comment elle l'a appelé. Une Lodide. Donc là, je suis partie sur la collection Let's Go. Ouais, c'est ça. Let's Go de Simple Story. Et j'avais carrément oublié que je l'avais acheté. Et je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, c'était l'occasion. C'est un peu comme la collection de Maggie Holmes Round Trip. Donc, du coup... J'ai fait une ouverture à scratch. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis un chipboard, mais ça, c'est un chipboard de Round Trip. Je me suis dit que j'allais mélanger. Au final, j'ai utilisé juste le chipboard. Donc là, un die cut de la collection. C'est un ticket de valise. Donc j'ai mis un charme, petit ticket voyage. Ça, c'est le chipboard de la voiture. Je l'adore. Trop beau, c'est des couleurs pastel et tout. J'aime beaucoup cette collection, sauf les papiers. Franchement, j'ai que le petit bloc et les papiers, j'ai pas trop kiffé. J'ai dû aimer, je sais pas, deux trois papiers. Bon, j'étais obligée de j'aime bien avoir toute la collection. Moi, du coup, là, j'ai mis comme couverture un papier que j'aime bien. Voilà, celui-ci, j'aimais bien et celui-ci. Là, ça c'est des puffy mousse, ça c'est chipboard, donc ça s'ouvre comme ça. Donc là, il y a deux pockets. Donc je vais une petite déco là devant. Alors, la première pocket, j'ai fait une Memory Dex. Et il y a beaucoup de. Ah, il y avait une page avec la voiture. J'aimais bien, mais bon, t'es obligé de la découper. Donc, j'ai mis une carte, on va dire PL derrière. Chipboard. Une petite découpe. Ça, c'est une découpe que m'avait fait Séverine Battista, ouais. Planète, un peu fille. J'aime bien l'avion. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion, moi. Donc... Memory Dex. Ensuite, j'ai glissé. Alors ça, c'est les embellissements que j'ai fait pour mon challenge. Un challenge ruffle. Donc du coup, j'avais fait cette collection. Je me suis dit, ben voilà, je vais lui faire un flipbook avec cette collection. Je vais les glisser à l'intérieur. Donc du coup, il fallait faire 4 ruffles. Donc, je vous montre. Ouais, il y a des puffies. Un mot où j'ai cousu. J'ai aussi des petits bras de autocollant. Je les prends pas souvent, mais c'était. Je pense que ça devait être une promo quand j'ai pris la collection. Ça, c'était. Ça, c'est Séverine. C'est Macalo. C'est Macalo qui me les avait fait, qui me les avait offert, non? Ouais, ça c'est Séverine, cela. Ah, la petite bouteille du coca. Là, il y a un sac, bon, il est caché, mais je le kiffe. C'est die cut. Travel. Donc, mes 4 embellissements. Et j'ai eu de la chance. Ça rentre presque pile au poil. Dedans. Ensuite, après, ça s'ouvre comme ça. Tac. Donc, j'ai fait des embellissements. Donc, là, il y a ce cas. Donc, ça. J'ai fait un dies. Et j'adore. Sac que m'avait offert Séverine Battista. Et là, j'ai laissé. Alors, on peut le mettre sans les oreilles de mini. Sans le nœud.
Et là, je me suis dit que Marine va partir en voyage à Disney. Elle serait contente. J'adore. Il y a même, vous voyez, la petite tête de Mickey, là, pour la fermeture. Je kiffe ce die. On peut le faire de plusieurs façons. Donc, ton petit sac à dos, Marine, pour que tu partes en voyage. Là, alors j'ai acheté ce dice. C'est simple, pas regarder la taille. Sur Tonton Ali. Et en fait, il est minuscule. Vous voyez ? Il est là. Par contre, il est petit, mais il y a quand même plein de morceaux. Comparé à un, j'en ai un grand. Et en fait, il est mal foutu. Vous voyez ? Là, comme ça, il fait 6 et demi. Par 4. Il est tout mignon. Et oui, parce qu'il y avait les petits morceaux là pour faire les ronds, l'intérieur, la découpe, tac, tac. Non, pour les morceaux, ça va. Après, j'aurais mis un peu plus grand. Tant pis. Donc là, je lui ai mis des charmes, des breloques, des petits cœurs, des étoiles. Bon, je ne vais pas tout sortir. Hein. Là, je lui ai mis des patchs. Et ça, je ne l'avais même pas encore utilisé. Je l'avais acheté exprès pile poil pour un thème voyage. Donc, l'étiquette. Bah, en fait, c'est l'étiquette Lilo Die Cut. Ouais. C'est l'étiquette. Ça, c'est un dice. Je vais acheter sur Tonton Ali aussi. Round trip. Bon, je l'ai un peu oublié. Mais voilà. Ça avait coupé. Bah ouais. J'ai plus de place dans mon téléphone. Et donc voilà, je disais l'étiquette. J'aime bien ce dice. Hop. Donc voilà. Voilà. Adeline, si tu passes par là, ben merci pour ton tuto. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà. Ben, Marine, j'espère que ça te plaira. Hein. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. À me mettre un petit commentaire, je lirai avec plaisir. À mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!